Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de dégustation. Sûrement que vous connaissez ça déjà. Mais nous autres, on découvre plus ou moins. On a vu notre auditeur québécois, Gorky, qui avait testé. Non, je pense que c'est pas Gorky. Ou ça soit Carré ou Hobby. En tout cas, bref, on sait plus, je me rappelle plus c'est qui, mais qu'il y en a qui a testé ça ici au Québec. Drumtick au Coffee Crips, un genre de barre de chocolat au café, très 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 bon, donc c'est marqué nouveau. Bon, c'est plus ou moins nouveau, ça fait quand même plusieurs mois que c'est sorti, mais nous autres on va tester ça, puis on va tester aussi, là j'ai pas la boîte, il va s'en venir avec, parce que mon chéri est en train de se faire un cornet crème glacée, il préférait faire ça en cuisine que de venir faire ça ici en salon. Et moi, j'ai décidé de partir la vidéo tout de suite parce que c'est long d'attendre. Hein? Ceux qui connaissent ça, mais ils savent ce que je ressens en ce moment. Mais bon. Donc, oui, un changement de cheveux. Hein? Et oui, ben oui, un nouveau look. On essaye des choses et je suis quand même assez satisfait. Je ne suis pas encore 100% adapté à ma nouvelle couleur de cheveux. Mais ça va venir avec le temps. Puis, il y a Sam aussi. Ses cheveux, il a la même couleur que moi, sauf que lui, ça paraît plus foncé, parce que lui, il a les cheveux noirs, moi, j'ai les cheveux châtains. Fait que vu que j'ai les cheveux plus pâles que lui, moi, ça, la couleur s'en sortit, regarde, s'en sortit beaucoup plus que lui. Mais on a la même couleur, on appelle ça auburn. Donc, c'est pas blond, c'est pas roux, c'est entre les deux, c'est un genre de brun-roux, si on peut dire ça comme ça. Donc, voilà. Donc, je vais ouvrir la boîte. Donc, ça se présente comme ceci. Puis, avant de continuer, on n'oublie pas le processus. Hein. Abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos qui sortent en ligne. Et commentez, on vous lit et on vous répond. Hein. Ça fait un petit bout que vous n'avez pas commenté, que vous n'avez pas participé avec nous. Donc, n'hésitez pas. Hein. On est en approche de 100, et à 100, ben, on va trouver qu'est-ce qu'on pourrait acheter pour vous faire gagner de quoi. On va voir ça. Donc, tout le monde à travers la planète va pouvoir participer au concours. Pour l'instant, on est encore processus de savoir qu'est-ce qu'on va vous faire gagner. Bon, bon, et voilà. Oh, j'adore ce chocolat-là. C'est la première fois. J'en ai mangé. Il y en a en céréales. Il en faut un petit peu de toutes les formes. La crème glacée, c'est pas nouveau. Mais nous autres, on est en retard. Ça fait que moi, je vais y goûter là avec vous. Donc, j'ai mon petit bol qui est là. Je vais m'en servir et je vais m'en prendre. Ça va faire du bien. Non, c'est toi. Bon, je vais trop m'éloigner à cause de la caméra. Fait que... Ben, regarde, ça s'apprête comme ceci, hein. Regarde, je vais vous montrer. C'est... Ben, oh! Oh, hein. Oh! Oh! Déjà, la première chose que tu sens, c'est le beurre de peanut. Désolé, il me faut du fromage que je... Le beurre d'arachide que tu sens vraiment. C'est incroyable. Très bon. Ça, tu sens vraiment les peanuts. Vraiment, ça sent vraiment les peanuts. Ça sent vraiment les arachides. Le chocolat, il y en a, mais c'est pas ça que tu sens. C'est vraiment... Ah oui, c'est pas une petite gorgée du bon lait. Oui, c'est très bon. Ah, c'est bon du lait. Donc, moi, regarde, je vais m'en servir un bol. Par après, mais pour l'instant, je vais écouter dans son cornet. Il est très bon. Voilà. Oui, bon. On est un couple, si ça me permet. J'y retourne. Il n'en aurait plus pour moi. Bon, tout est fini. Ça goûte les Reese's, mais je trouve que ça manque
de chocolat. Mm. Fait que là-dessus, si vous trouvez que ça manque de chocolat, achetez-vous aussi le petit bouteille Nesquik, là, le petit chocolat en liquide. Achetez-vous ça, mettez ça dans un bol, faites un genre de sundae avec. Là, ça, vous allez rajouter du chocolat, ça va coûter encore un peu plus les Reese's. Là, on sent vraiment le goût du beurre d'arachide, mm-hmm. mais le goût de chocolat est quand même peu présent. Mais sinon, c'est super bon, hein, j'ai rien à dire. On a nos allergies, hein. Avec des allergies, manger quelque chose de bien glacé, de bien froid, là, ça fait tellement du bien. Hein. Mm. Non, on espère que le cornet ne soit pas cassé. Parce qu'on sait hein, que les grands tics, souvent, les cornets sont cassés. Mmh. Il a l'air d'être intact. Mmh. Oui, apparemment, il y a un coulis de chocolat à l'intérieur. Non, celle-là. C'est là, mmh. Ouais, regarde. C'est là, il y a un coulis de chocolat, on va y montrer. Hein. Bon. Alors, je dirais, c'est le morceau de chocolat que je parlais de. Oui, des morceaux de chocolat, mais je trouve que ça devrait avoir un peu plus de chocolat, puis ça goûte vraiment les Reese. Là, ça goûte vraiment plus le beurre d'arachide que les Reese, mais c'est super bon. Hein. C'est bon. Je sais pas si vous aimez les céréales Reese. Moi, personnellement, j'adore. Ah, ok. Ah, le cornet aussi est en chocolat. Oh! Le comble de la jarre de golf, là, est en chocolat aussi. En rabais, ah ouais, mon truc, c'est chocolaté, hein? Wow. Bon, j'adore le chocolat, ça me convient. Ok, on y goûte. On voit si ça goûte vraiment le Coffee Clips. Moi, j'adore tout ce qui est yogourt café, crème glacée café, tout ça. J'aime bien ça, boire chocolat au café, tout ça. Ouais. D'avant, c'est croustillant. Hein? Ça croustille. Oh, il est bon. Ça, là, c'est dangereux, hein. On finit la boîte à soir. Non, non, non. On va faire ça, c'est pas bon. Manger de la canne à sucre, c'est bien, mais pas souvent. Ils ont mis. Tu sais, ceux qui connaissent la barre de chocolaté, Coffee Crisps, le genre de gaufre à l'intérieur, là. Les petits morceaux qui sont là, là. C'est ça. Mmh. 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 Oh, goody. Pour la vidéo. C'est bon. J'ai entendu un bruit, je sais pas, ça faisait comme. Ouais, j'avais aussi ça comme vibrer sur le plancher. Bon. Pendant le temps qu'on parle même pas de paranormal, rien, il se passe des choses. Bon. Au moment, il faut dire que les voisins juste en arrière aussi. Fait que ça se pourrait que ce soit eux autres. Là. On cause une vibration, quelque chose. Bon, bref. Ça a l'air que j'ai un nouveau jeu pour vous, pour un nouveau direct. Oui, c'est ça que je voulais vous parler, mais j'avais oublié le sujet. Oui. Ça va s'appeler Alan Wake. Alan Wake, c'est un jeu que... Un petit peu de paranormal, il y a du... un petit peu de... d'aventure... drôle. Ouais. C'est un ami qui m'en a parlé, c'est Jonathan Bigra, un ami qui est au café avec moi. Mm. Puis il m'a dit ce jeu-là. Essaye Alan Wake. Coulis de chocolat. Essaye Alan Wake, c'est le fun, tu vas l'aimer. Ton conjoint aussi va aimer parce que c'est du paranormal. Puis Ouais, fait que lui, son prochain direct, c'est que ça va justement être Alan Wake. Et moi, je vais refaire un direct sous le même jeu. En fait, je vais continuer qu'est-ce que lui va avoir commencé.
tout simplement. Fait qu'on va, on va faire ça à tour de rôle. Et dites-vous, et puis aussi, ben, on va sûrement faire amener un direct à deux à ce jeu-là ou à Monopoly. Dites-nous ça en commentaire. Le Monopoly, le problème, c'est que c'est interminable. Mais peut-être si on joue à deux, peut-être essayer de faire pratiquer mon anglais aussi en direct. Peut-être faire ça faire un petit Scrabble. Ben, je suis pas très bon en anglais, mais je me débrouille quand même pas pire. J'ai gagné contre lui au Scrabble plus en anglais, puis lui comprend plus l'anglais que moi. Ouais. Moi, j'haïssais ça à l'école, au secondaire, dans le temps. Je me donnais des cours d'anglais. Je détestais ça. À un moment donné, il fallait que je fasse une pièce de théâtre en anglais. J'ai dit au professeur, non, au bout de ça, j'abandonne le projet. Mais là, tu passeras pas ton exam. Je m'en fous de pas passer mon exam. Je fais pas ça, j'ai pas de plaisir à le faire. Je l'ai fait pour me pratiquer, mais quand la pièce de théâtre officielle a eu lieu, je l'ai pas fait parce que bon, ça m'intéressait tout simplement pas. Fait que bon, j'ai pas passé l'examen, mais c'est pas avec ça que tu vas couler ton secondaire non plus. C'est surtout avec les mathématiques et le français qui est important de réussir. Le reste, regarde, moi je suis au Québec ici, je ne me force pas à parler anglais. Mon professeur me disait, ouais, mais si tu as voyagé ou quoi que ce soit, j'ai peur de l'avion, j'ai de la phobie, je pense pas que je voyage. Mais j'ai vu une vidéo d'un youtubeur qui me disait, je dis nous, parce que bon, c'est par habitude. Lui aussi, il avait la phobie de l'avion, tout ça, mais pour s'initier, il a embarqué dans un petit avion, un genre de 7 nœuds. Puis, il s'est initié par une heure de vol. Et avec ça, ben, il a appris à aimer l'avion, tout ça, puis à avoir moins peur. Fait que peut-être qu'un jour, j'aille peut-être un peu plus dessous. Peut-être que je le ferai. Puis si jamais je le fais, ben, je vais vous filmer ça. Puis ça sera sur YouTube. Vraiment. Ça, oui, ça fait essayer le petit. Ouais. Ouais. Fait qu'on. Tu sais, t'as un centre aussi de contre la phobie des avions aussi au Québec. Il t'emmène dans un simulateur. Mais comme que ce youtubeur que je suis, donc ceux qui connaissent peut-être Projet 51, David. Bon, ben c'est ça. Donc la vidéo vient de lui. Il a dit que c'est mieux de, peut-être d'aller dans un petit avion et non dans un simulateur. C'est pas pareil. Elle m'a pris beaucoup de chocolat là, de Reese. Mais ça va. C'est bon, hein? Ça, c'est quand c'est les deux qu'on a pogné, c'est cochon. Ah oui, c'est très bon. C'est très savoureux, c'est très bon. Ça fait du bien. Mais par contre. C'est beaucoup sensuel à manger, puis à être chier. Ah. Ça suce bien. Non, ça dégoûte. Non, t'as tout autour, là. Ouais, mais là, non, parce que là, on n'est pas dehors. Si on serait dehors en ce moment, là, il serait déjà tout fondu. Mm-hmm. Voilà. C'est très. Par contre, bon, on en doutait, comme tout le grand sec, c'est extrêmement sucré. Non, moi, c'est le lait que je veux. Ok. Ouais, rien. Non. C'est bizarre parce que ça, c'est fait avec du lait aussi. Non. Mais quand tu manges la canne à sel avec de lait, tu le sais, bon, c'est très bon. Ça se marie très bien, c'est ça. Ça peut être enlever l'acidité. Ouais. D'accord, on vous le conseille les deux, on vous le conseille. Ouais, ouais c'était. Ouais. C'était quand même un peu dispendieux. Ça, la boîte, ça revient quand même à près de 5$. Bon, ça va au niveau des prix. Ça, je pense que c'était alentour de. C'est 7$. Bon, on les a pognés dans une épicerie où c'est pas cher. Ça s'appelle Maxi. C'est l'équivalent du Lidl en France. Donc, c'est un genre d'épicerie qui est le. Les prix sont abattants. Ah, mais vu que tu as pris de ça, de cette affaire-là, ouais. Tu n'as pas de bol, fait que tu peux leur servir. Oui, c'est ça. On va leur servir après la vidéo. Ben, en parlant, ma gars, on va arrêter la vidéo là. Fait que là-dessus, je vais la publier sûrement lundi. Fait que sur ça, je vous souhaite un bon lundi et une bonne semaine.
Puis on espérait que la canicule dure pas trop longtemps parce que c'est notre troisième canicule. Puis l'été, il fallait juste commencer. Fait que c'est beau. OK. Puis là, ben pour Alan Wake, ça va être très long parce que là, en arrière, vous voyez pas, mais il reste 4 heures pour le premier téléchargement, puis après ça, l'autre 12 heures de téléchargement. Ouais. Mais quand la vidéo va être. Mais quand la vidéo. Je vais le démêler un peu. Quand la vidéo va être sortie, vous allez l'avoir lundi. Fait que c'est pour ça que je vous souhaite une bonne semaine. Ça va, le jeu va être téléchargé au complet. Là. Oh, oui. Tu sais? Non. Juste fait que ça change rien pour vous. C'est juste pour nous. En attendant, il faut attendre. Fait que, bon. Nous autres, à l'heure qu'on filme, on filme tard. Il est pratiquement une heure du matin passé. Et puis, le jeu, il est pas. Il va prendre 17 heures en tout. Fait que c'est pas de mal à veille, hein, comme on dit. Il s'est couché jusqu'à 11 heures. Ouais, j'ai fait une petite sieste, j'étais bien fatigué. Bon, bref, tu sais, la vidéo, c'était la dramatique. Anyways. C'est un peu cher, mais ça vaut la peine, ça vaut le coup. On peut se gâter cet été, on se fait plaisir. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Puis, c'est un genre de petit vlog aussi en même temps. Fait que, bon, je vais quand même le sortir lundi. Vous allez avoir le vlog, bien sûr, samedi, le 15 juillet. Donc, on va faire le point sur la chaîne, tout ça, les projets à venir, les projets qu'on a fait dans le passé. Parce que vous savez, ça va être un petit vlog. C'est l'été, tout ça. J'essaie de pas vous faire durer les vidéos trop longtemps. Surtout au niveau des vlogs, parce que vous parlez pendant 45 minutes, une heure. Des fois, à un moment donné, tu changes des mots, tu changes de sujet. Fait que je vais remettre ça plus condensé. Fait que. Plus gros. Fait que bon. Ah, c'est bon, c'est bon que tu regardais plus devant la caméra, parce que tu m'avais dit que l'autre fois qu'on avait fait la vidéo, tu dis, ah, je regardais pas trop bien la caméra, mais toi, tu regardais tout le temps. Avec... Ouais, ça paraît pas comme ça à travers les vidéos, mais je suis quand même quelqu'un d'un peu timide. Fait que des fois, je regarde pas tout le temps la caméra par timidité. Fait que je regarde un petit peu partout, sauf dans l'objectif. Fait que j'essaie de, quand même de regarder la caméra le plus possible. Mm-hmm. Mais bon, c'est pas toujours évident. Tu sais, je suis pas cinéaste, je suis pas vidéaste, rien. Mm-hmm. C'est pas ma. Je fais pas ça professionnellement. Hein. Je fais ça juste pour le plaisir. Fait que bon, des fois, c'est pas parfait. Mais bon, c'est au moins, personne ne va pouvoir dire qu'on triche parce qu'il n'y a pas de montage, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de coupure, rien. Les vidéos sont brutes, comme ça, c'est ça, surtout pas dans le paranormal. Mais en tout cas, bref, ça sera sur un autre sujet, sur notre vidéo. Là, c'est vraiment, on parle de ça. Je pense pas de le finir parce que c'est trop sucré. Puis, j'ai plus d'appétit. Donc, j'en ai juste pris un peu, ben j'avais chaud. Et puis, j'ai surtout soif. Fait que bon, sur ça, ben, on se dit à une prochaine vidéo. Salut!